Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondus Bellicus, cité forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie et de petites perles comme Mountain Blade Warband, c'est le long petit patapon pour la campagne Ira, Eva, Ilri, l'épisode numéro 24 déjà sur Brighton Wall, la version 1.41. Allez, c'est parti. Donc vous vous rappelez, business, business, business pour acheter des chevaux pour mes compagnons, et puis évidemment de temps en temps... petite baston si nécessaire. Alors nous sommes en fin de soirée, bah tiens, nous allons passer la nuit ici. Hop, on va regarder le groupe maintenant. Est-ce qu'il y a du monde qui monte? Oui, il y a lui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de vos compétences? Alors, il a combien en équitation, lui? Il a 0. Alors, on va lui monter l'intelligence. Et on va lui monter l'équitation. Voilà. Au niveau équipement, qu'est-ce que j'ai, moi? C'est surtout pour voir ce que je peux lui refiler. Ah, j'ai pas grand-chose de très intéressant pour lui. Hein. Non. Non, j'ai rien. Ok. Retour. On continue à avancer. Ah ben c'est le seul. Bon, très bien. Tout le monde est à 100%. C'est parfait. Parfait. Allez, on confirme. On a des prisonniers aussi à vendre. Alors, nous étions ici pour faire du business, si je me rappelle bien. Exactement. Peut-être aller voir Linus, tiens. L'inventaire. On a du sel un peu, ouais. Des pots. Ouais, on va aller voir ça. On va aller faire un petit tour à Linus. On va voir ce qu'on peut y vendre. Alors, une vieille femme s'approche de votre groupe et remet à l'un de vos hommes une lettre cachetée à la cire. Elle vous est adressée et lorsque vous rompez le sceau, vous constatez qu'elle vient de Sinéguit. Vous lisez, votre dernière visite m'a fait très plaisir. À peine étiez-vous parti que je me languissais déjà de vous. Hélas, mon père, le major royal Cut Gil Seol Wilfing, ne m'autorisera jamais à vous voir. Mais je sais comment vous faire entrer incognito. Je suis actuellement à Cire au Bur. Gourmandine. Allez, on lui dit qu'on va bientôt venir, chérie. Alors, déguisez-vous. Ah oui, d'accord. Non. Bon, ben, je me casse. Je me casse. Vite fait du coin, là, parce que ça a l'air de puer, quand même. C'est quoi, ça? Des 100 mètres? Ah, non, tant pis, ils vont trop vite. On continue. Alors, ici, ça craint un peu. C'est là que je veux aller. Allez, on va. Eh non, pas là, je veux aller là, pardon. Oh oh, mais il y a des bandits ici. Bon, déjà, on s'arrête là. Super. Rencontrer l'ancien, je m'en fous. Acheter des provisions. La laine, elle est pas chère, sa laine. Hein, peut-être un petit peu de provision. Ah, mais j'ai du sel à vendre là. J'ai plus grand chose. J'ai plus beaucoup de place. Je me dirige au mauvais endroit en réalité. Un peu de beurre, ouais, c'est bon pour le moral. Les bestiaux, j'ai plus de place. En réalité, il faut que j'aille vendre là. Donc, s'il faut que j'aille vendre. Donc on va aller faire un petit tour pour vendre le sel ici. On prendra des pierres. Et hop, on repartira vers chez nous. Alors, merde, je me suis perdu. Je me suis perdu. Ah non, je suis là. Ok. Allez. Alors, tiens, on va poursuivre cela. Non, on les a perdus. Ça, j'aime pas trop. Ils nous poursuivent, non, c'est bon. Ils sont pas trop amis avec nous, eux. Hein. On va pas passer la nuit ici. On se casse tranquillement. Allez.
Un silence frontalier. Aux dernières nouvelles, les villageois de Badune ont tué les fermiers de Maesmore lors d'une bagarre au sujet de la déviation d'un cours d'eau. Que la rumeur soit vraie ou fausse, vous savez une chose, cet incident apparemment mineur a soulevé les passions dans le pot weed, rendant plus difficile une déclaration, plus facile, pardon, une déclaration de guerre contre Gwent. D'accord, d'accord. Allez. Place du marché, marchand de biens. Le sel, on vendra mieux ça au bar. Par contre, on va vendre les pots. Et la viande bovine. J'avais pas acheté de la laine. 232, ouais. Pour ça, on va les revendre aussi, toutes ces merdes-là. Ok, retour. Marchand d'armes. Le marchand d'armes. Hop, le couteau, javelot, toc, toc, toc. Il est joli celui-là. Ouais, très joli. Et puis, on va aller voir le marchand de d'armure. Le plastron de manant, la tunique courte, le plastron léger, paf, paf. Voilà, ça fait déjà un peu plus de place. Allez, demi-tour, un petit tour à l'auberge. Elle est accompagnée par l'hôte, évidemment. Le marchand mystique, guerrier vétéran, qu'est-ce que c'est ça? Rançonneur. Ah, salutations, semblait quelqu'un. Bon, bah celle-là, on la connaît, hein. Hop, j'ai préparé votre bourg, j'ai des prisonniers à vous vendre. 11 francs, vendre. Bandit. Vendre, jeune guerrier, vendre. Bien. Un petit tour, place du marché. Allons voir le marchand de chevaux. Eh, un peu cher celui-là, putain. 5300, qu'est-ce que j'ai moi d'ailleurs ? Vitesse 42, maniabilité 44, charge 14. Ah, c'est le même, quoi. 2005. Ah, on peut peut-être acheter celui-là. Bordé, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Ouais, peut-être celui-là. Courbé. Vitesse 36, ouais. 42. Allez, on achète celui-là. On achète celui-là. Celui-là est un peu trop cher. Ok. Demi-tour. Quitter le groupe. Alors, toi, nous allons passer cavalerie. Et nous allons te parler. Laisse-moi voir ton équipement. Cheval nordique. Pourquoi? Putain, il a pas. Ah, si, il peut. Il faut combien, lui, l'équitation? 2. D'accord, bon, bah, lui, il a déjà celui-là. Parfait. On continue à avancer. Osmund. Lui parler. Laissez-moi voir votre équipement. Il a pas vraiment de lance, hein. En donner un qui a une lance. Voilà, tiens, toi, chérie. Laissez-moi voir votre équipement. Je suis sûr que tu peux monter. Tu peux prendre le cheval. Parfait. On continue à avancer. Où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est? La voilà. Infanterie. Cavalerie. Voilà. En voilà deux. Il me reste encore 10 000. En sachant que j'ai un coup hebdomadaire de 5 000. Allez, on va aller à Bangor Squid. Acheter des provisions, voilà, du sel, ça c'est mon. Acheter des bestiaux, 25, 240, c'est trop cher. On quitte. Quand même aller jeter un petit coup d'œil là s'ils ont pas du sel. J'ai envie d'y aller après, mais avant, mais acheter des provisions s'ils en ont un, et acheter du pain aussi. Il y avait pas de pain. Alors, hop, et ici aussi. Et B. Voilà, acheter des provisions. Hein. Acheter des bestiaux.
80, 220. Allez, j'en prends une. Go. Abattre les bêtes. 1. On y va, retour. Oh oh. Ah ah ah. Ça, sympa, 100 mètres. Allez, on va essayer de se le faire. Moi, 6005. Ok. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ah, dommage, dommage, dommage. Je vais pas me la rattraper. Hein. Il va trop vite. Et là, je m'éloigne de là où je voulais aller. Et là, il y a que des méchants. Je me casse. Lors d'un arrêt près d'un village, une femme du prêtre veut vous voir seulement. Vous, alors que son mari est accepté et est absent. Allez, on accepte. Coquine. Vous passez un bon moment avec la femme du prêtre et quand son mari rentre, vous passez par l'écurie sans être vu. Pardon. Allez, on se casse. Fin d'après-midi, j'aimerais arriver là. Campement. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Allez, go. On va aller vendre tout ça. Accord d'alliance. Brichenog et Gwent ont conclu une alliance. D'accord. Crafou et Brichenog ont conclu une alliance. Oui, bien. Tiens, on va aller faire un petit tour ici. Business, business, business. Place du marché. Marchand de biens. Ouf. Ok, alors sel, toc, toc. La laine. La peau. Et la viande. Ouais. Et la viande en décomposition. Ah, je trouverai moins cher. Je trouverai moins cher. Demi-tour. Dans l'auberge, qu'est-ce que nous avons ? Les cavaliers lourds. Non, non, je vais pas dépenser les sous. Un rançonneur, j'ai personne à lui vendre. Et là-bas, on a quoi ? Un voyageur, je m'en fous. On quitte. Allez, go ! Acheter les provisions, voilà, ça c'est sympa. On peut même leur vendre du sel à eux. Vous recevrez 560 shillings. Toc et toc. Quitter. Acheter des bestiaux peut-être. Ah oui, ils sont pas chers. 1, 2, 3, laissez tomber. Vraiment pas cher ces bestiaux. On va les tuer. On abat les bêtes. Les trois. Et on campe. Allez. Des provisions, du chou, est-ce que nous en avons ? Non, ça c'est bon, et de la pierre. Est-ce qu'ils vendent des bestiaux ? 13, soit peu cher, laissons tomber, on quitte. Ici, acheter les provisions, bien, bien. Est-ce qu'on a du poisson ? Non, on n'en a pas, on prend. Acheter les provisions, ils ont 404. Allez, on leur vend de la viande. Toc. Les pots 240. Ouais. Allez, la viande. Toc, toc. 427. Hop là. On continue. Adin Gonwi. On y va. On va. Place du marché. Marchand de biens. On lui vend la viande. On lui vend les peaux. Le sel. Le sel. Oui, oui. Oui, et oui. Là, encore, et la laine. Allez, on s'en débarrasse.
Ok. Marchand de chevaux. Alors, 5000, 5000, 3000 d'un cheval de trait. Vitesse 36, vitesse 40. 1700. Oh, on va le prendre, non, pas le boiteux, non. Allez, on lui prend. Hop! On y va, demi-tour, à l'auberge, qu'avons-nous? Du monde, un voyageur, un cavalier lourd, un rançonneur, un fermier, ah, on va lui parler, et un marchand. On va lui parler au fermier. De quoi s'agit-il, mon brave? Une bande de brigands a trouvé refuge dans notre village, ils prennent tout ce que nous avons, nous forcent à les servir, encore plus dur avec nous. Si l'un d'entre nous laisse échapper le moindre mot de protestation ou tue ce malheureux sur le champ, vos vies sont devenues insupportables, j'ai risqué ma peau, je me suis enfui pour trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Pourquoi n'allez-vous pas voir votre seigneur? Il devrait pouvoir s'occuper de cette vermine. Je l'ai fait, monsieur, mais les hommes de notre seigneur ne m'ont pas laissé le voir et m'ont dit qu'ils avaient plus important à faire et que nous devrions gérer notre problème nous-mêmes. Je vous en prie, monsieur, vous semblez être un homme courageux, un gardien inspirant la crainte et de nombreux amis et soldats sans aucun doute sont à votre service. Si quelqu'un peut vous aider, c'est vous. Allez, je vais vous aider, il se trouve où? Notre village est Lynn, ce n'est pas très loin d'ici. C'est parfait. Casse-toi. Tu peux pas te casser, toi? Eh bon, on passe comme ça alors. Place du marché, j'y suis allé. Allez, on se casse. On regarde le groupe. Alors, qui avons-nous ici? On va lui parler, on va essayer de le faire. Laissez-moi voir votre équipement. On va te filer un cheval. Voilà. Et tu vas passer un cavalerie. Fermé. Très bien. On confirme. D'abord, on va aller faire du business ici. Accord d'alliance. Gwynedd et Brichenoig ont conclu une alliance. Alors, acheter des provisions, paf. Du miel. Du miel. Allez, on prend le miel. Acheter des bestiaux peut-être? 42. Non, laissez tomber. Allez, on file sur l'île, aider ces pauvres petits paysans à se débarrasser de ces méchants bandits. Go! Alors, il y a 40 Bagodas. La population est neutre à votre écart. Village chrétien, votre foi est dominante ici. On attaque les bandits. C'est parti. Les archers. Vous allez vous mettre ici. Allez! Loupé. Loupé. Oh! Ah! Quelle misère! Salaud! Allez, infanterie chargée, cavalerie chargée. Ah, je le loupe. Foiré. Ah, je le loupe. Et je le loupe aussi. Mais enfin, on l'a eu. Il en reste encore? A priori, oui. Il est là-bas. Ah, victoire! Paf dans le mur.
C'est bien, mes amis. On continue. Alors, refusez, ils en ont davantage besoin que vous. Acheter les provisions auprès des paysans. Non. Acheter des bestiaux. Non plus. Allez, on quitte. Petit coup d'œil, voir s'il y a du monde qui monte chez nous. Oui, toi. Bon, tu dois devenir ça. Un pilleur, il va devenir tordu, tiens. Avec l'âge. Ah, Orosio, parlez. Que vous voyez au sujet de vos compétences. Tu n'as que 1 en équitation, d'accord. On va augmenter ta force, puissance de frappe. Allez. On continue à avancer. Un petit peu de business. Que de la pierre. Putain, les salauds n'ont pas grand chose. Acheter des bestiaux. Ah oui. On en prend 3. On va les abattre. Et on y va. Je sais même plus si j'y suis passé là. Oui, j'y suis passé. Donc tiens, on va aller ici. Campement. Go. Le roi souhaite vous informer que les seigneurs de Saxe-Assise trouvent un banquet dans la grande salle de... Ah, il n'y aura pas de tournoi là-bas. Ok, c'est gentil. Mais là, pour le moment, je suis occupé. Alors, acheter des provisions. Voilà. Yes, 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 yes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? 627, on peut se débarrasser des viandes bovines. Tac. Non, on en récupère une. Ok. Est-ce qu'ils ont des bestiaux à vendre? Oh, elles sont pas chères. Ah ouais, pourtant elles en ont pas énormément. On achète 2. On abat les bêtes. Et on file à l'Engolen. Ah, un nouveau soldat succombe à ses blessures consécutives à un précédent combat. J'étais juste un soldat, ce qu'il possédait à vous, donner les effets du soldat à sa famille, donner ses effets à sa famille et organiser les funérailles, bah oui. Alors, nouvelle réputation 14, votre groupe gagne 4 en, 8 en morale, très bien. Acheter des provisions, paf. Tiens, ça c'est bon pour le moral, les fruits pour la troupe. Acheter des bestiaux, 69, là il coûte 220, bah non. Allez. On va voir ce qu'on peut vendre ici. Place du marché. Marchand de biens. Il a 2009. On peut lui vendre des pots. Ça, ça, ça. Ouais, 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 ouais. Les pierres, non, ça l'intéresse pas. Ouais, allez, hop. Vite, c'est débarrassé. 2300. On peut peut-être acheter un cheval. Marchand de chevaux, allons voir, cheval nordique requiert 1 d'équitation, et ben voilà. Allez, on prend, retour, demi-tour, un petit tour à l'auberge. On a un guerrier vétéran, qu'est-ce que t'es toi, un marchand mystique, und, un barde monade, nomade. Fais voir le marchand mystique. Oui, pourquoi pas, je peux essayer, ils n'ont pas de chevaux, lui. Ah si. Cheval de trait, cheval nordique, 2007, hein. Ouais, ils sont pas forcément moins chers, hein. Non, ils sont pas moins chers tes chevaux, alors on se casse, hop, quitter le groupe. On va voir, toi tu es déjà à cheval, toi tu ne l'es pas, on va te parler, laissez-moi voir votre équipement, normalement ça passe, oui, on continue à avancer, donc Bordero, tu deviens cavalerie, voilà,
Allez. Ici d'abord. Acheter des provisions. Bien. Acheter des bestiaux. Oh putain, trop cher. On quitte. En voilà. Bébé. Acheter des provisions. Bien, ça c'est bon. On a plus beaucoup. On a rien à lui vendre. Là. Ok. Acheter les bestiaux, trop cher. On campe ici. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Il est minuit. Alors, acheter les provisions, que l'arrière. Dalle. Retour. Acheter les bestiaux, trop cher. On quitte. Ici, qu'est-ce qu'ils ont? Acheter les provisions, de la pierre. Bien, un peu de fromage peut-être. Un peu de fromage, bonne idée. Acheter les bestiaux, trop cher. Oh là là, faut chier. Allez, allons voir ici. Place du marché, marchand de biens, j'ai pas grand chose à vendre forcément. Et oui, j'ai même rien à vendre. Ok, alors demi-tour, allons faire un petit tour dans l'auberge. Nous rencontrons un rançonneur, je m'en fous. Un berger, je m'en fous. Un voyageur, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Oh oui! Oh oui, oh oui, c'est bon ça. 101 pour 201 shillings. Allez, on en prend une. Allez, on en prend deux. Quitter et on va après les fumer. Ça nous fera de la bouffe pour ma troupe. Abattre les bêtes, les deux. Tac, 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 tac. Ah merde, je peux pas plus. Paf, on prendra ça. Retour. Campement, choisir une action, fumer les aliments crus, voilà. Allez, on va pencaer. Voilà. Acheter les provisions, de la laine. Allez, j'ai pas de place. Eh bien oui, j'ai plus de place, je suis con. Bon, bah alors on va essayer de vendre tout ça. Ah, Dinbiche. Alors, place du marché, marchand de biens, dépôt, on reprend ça, rien du tout, hein. Demi-tour, auberge, des archers, ok, rançonneur, on s'en fout, quitter. Donc là maintenant, il faut vraiment que j'aille vendre parce que je n'ai plus de place. Allez. Campement. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Allez. Place du marché. Marchand de biens. 203. Putain, c'est rien du tout. Je vendrais ça mieux plus loin. Ouais, je vendrai ça mieux, beaucoup plus loin. Alors, demi-tour, auberge. Clovis, tiens, guerrier vétéran, nous avons Clovis. Il est bon, en effet, de vous revoir. Avez-vous besoin d'un lancier ou d'un tirailleur? Content que vous soyez de retour, mon ami. Bien, laissez-moi quelques instants pour me préparer, on pourra y aller. Voyageur, on s'en fout. Allez, on va aller s'entraîner, tiens, on va aller entrer dans l'arène. Le maître du tournoi. Bonjour, vous semblez nouveau dans le coin, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Le Petit Patapon, je suis le maître du tournoi ici. Dites-moi si vous souhaitez participer au combat. Un tournoi dans les villes avivinantes, Lundenwick, Loïdis,
Nasnariog et Rat Selter. Ok. Je souhaite m'entraîner avec mes hommes. 4 équipes. Alors, on y va. On va entraîner. Aide de camp. Chasseresse. Jeune guerrier. Lancier. Garde. Mercenaire. Frondeur. Ok, tiens, hop, allez, la troisième équipe, pas la quatrième, tiens les pilleurs. Jeune guerrier, bandit, tordu, franc, pilleur, pédite et machin. Allez, on y va! Allez! Chargez-moi tout ça! Go, on y va! On ce petit archer là. Allez! Tac! Ne pas oublier que les rouges sont les miens. Ah, il apparaît l'enfoiré. Il apparaît. Ah non, je vais le louper. Allez les amis, on les éclate! C'est mon cheval qui l'a niqué. Bing. Toi t'es avec moi toi. Ah oui, les diables rouges. Nous avons gagné. Bon, ça fait un peu d'expérience aux soldats. Ça dérouille Ça dérouille les épées. C'est très bien. L'auberge, j'y suis déjà allé, je crois. Ah oui, j'y suis déjà allé. Allez, on quitte. Peut-être ici, allons voir ce qu'il y a à vendre. Acheter des provisions. Bah tiens, bien sûr. On prend. Il me reste de la place. Il m'en reste encore 3. D'accord. Quitter. Acheter des provisions, 1, 2, et voilà. Ouais, aussi, si, pourquoi pas, ils ont peut-être un truc d'intéressant à acheter. Bah tiens, de l'argent. Ah, j'ai plus la place. Ouais, on va leur filer ça, ils vont prendre l'argent. Parce que celle, il est cher. J'aurais pu leur... Bah si, j'avais la place, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on quitte. Qu'est-ce que nous allons trouver ici? Place du marché, marchand de biens. J'imagine que, ouais, évidemment, ils achètent ça que dalle. J'ai rien à leur vendre. Bon, alors, demi-tour, auberge. Le voyageur, mais pourquoi il fait chier, lui? Juste une bonne chope et nous y allions. Ivrogne, là, que tu es. Allez, on se casse. On va aller vendre toutes ces pierres, cet argent. Wesh. On va aller à Cyrin Siaster. Ouais, on va aller à Cyrin Siaster. Go. Oh oh, il y a peut-être des bandits dans le coin là. Ce serait sympa de s'en faire quelques-uns. Cyrin Siaster. Alors, place du marché, marchand de biens. Minerai 300. Argent 195, pierre 63. Putain, je peux vendre ça plus, je suis sûr que je peux vendre ça plus. Ouais, je peux vendre ça plus.
auberge. Qu'avons-nous ? Un fermier, tiens. Un cavalier lourd, un rançonneur, l'aubergiste. Ah, le fermier. Alors, de quoi s'agit-il, mon brave ? Bon, bah, des brigands qui les attaquent. Mais pourquoi vous n'êtes pas voir votre seigneur ? Bah, parce qu'il n'est pas gentil, il nous a envoyé chier. Ok, je vais vous aider. Où se trouve le village ? Dieu vous bénisse, notre village est Glouvia. Glouvia. Qui vous rappelait habiter un endroit qui s'appelle Glouvia ? Ce n'est pas très loin d'ici. Allez, on y va. Hop là, Glouvia donc. Where is Glouvia? Allez, alors, 40 tordus. Allez, je vous la fais, on va les redresser. Alors, d'abord, mes archers. Pardon, non. Non, non, ne chargez pas. Ici. Donnez-moi cette position. Voilà. Et puis, feu à volonté, évidemment, mais vous avez en vue. Voilà. Oh là, putain. Infanterie chargée. Ils vont venir vous attaquer, là. Cavalerie chargée. Aïe. Mais enfin. Ah, je suis pris dans la mêlée. Foiré, va. Oh, il y a une tête qui a sauté. Et de quelle manière ? Mais enfin. Il en reste encore ? Je crois que c'est gagné. Pas encore, non. Il y en a encore, là. Non, il est mort. Victoire, mes amis! On continue. Refusés, ils en ont davantage besoin que nous. Alors, j'imagine qu'évidemment, ils n'ont rien. Allez, on quitte. Alors, est-ce que j'ai des troupes qui montent en niveau? Ah, ben oui. Un garde qui va devenir... Ah, il serait pas mal, ça. Cavalier. Un cavalier de plus. Machin qui va devenir pédite. Lui qui va devenir ça. Ok. On confirme. Donc Glouvia, c'est fait. On n'a rien pu vendre vraiment d'ici. On va aller à Dorchester. Tranquillou. La nuit. Campement. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Nouvelle campagne militaire. Vous devez emmener au minimum 16 soldats dans l'armée. Vous recevrez l'ordre d'entraîner plus d'hommes en temps et en heure si vous n'en avez pas suffisamment. C'est Wald Kutzwulfing. D'accord. Donc, j'ai rien à foutre ici. Ah, recruter des volontaires. Si on va à la guerre. Allez, j'en prends 10. 29, pardon. Ou 10, je sais plus combien j'en ai pris d'ailleurs. Alors, place du marché, marchand de biens. Ah là, ça va bien. Ah, voilà. Voilà. Bien. 2009, il a que 2008. Voilà. On prend marchand de chevaux. Cheval de trait boiteux, cheval nordique. Allez, on prend ça. Demi-tour, go à l'auberge. Rançonneur, je n'ai personne. Barre de nomade. Espion. Ça coûte trop assez cher l'espion pour le moment. Donc quitter. Groupe. Alors, viens me parler, toi. Laisse-moi voir ton équipement. Voilà. On continue à avancer. Et donc, toi, tu deviens infanterie, cavalerie. Acheter des provisions. Oh, de la saucisse. Acheter des bestiaux.
Est-ce qu'on passe là? Allez, on y va, vite fait. Acheter les provisions, que dalle. Acheter les bestiaux, que dalle aussi. Allez. Acheter les provisions, de la laine. Elle est pas chère là. Là, je pense que je pourrais en vendre un petit peu. Acheter les bestiaux, trop cher. Quitter. Allez, on revient par chez nous. En passant par ici. Il nous reste 5000. D'accord. Campement. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. On va en profiter pour aller voir la gonzesse. Que dalle. Acheter les bestiaux. Que dalle, trop cher. On va aller voir la nana. Lui compter fleurette. Alors, place du marché, marchand de biens. Oh, ça va se vendre là. Argent, argent minerai. Paf, paf. Paf, 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 paf. Ouais, paf, c'est bon. Jusqu'à 300. Jusqu'à 320, on va dire, c'est bon. Ouais, ouais, 307 aussi, on serait débarrassé. Allez. On récupère celui-là. Marchand de chevaux, qu'est-ce que tu as? Un mulet robuste. Cheval nordique courbé. Pas cher. Vitesse 38. Vitesse 32. Vitesse 36. Ouais. Ouais, non, c'est pas intéressant, là. Il va beaucoup pas vite, celui-là. Marchand d'armes. Ah, ah, sans bouclier, merde. Il n'y a pas une lance, un bâton d'un remarquable équilibre, que cette torche robuste. Il n'y a pas de lance, lui. Pour équiper un de mes bonhommes qui en a pas à cheval, je crois. Mais non, bon, tant pis. Allez. Demi-tour, allons voir un petit tour à l'auberge, un garde, je m'en fous. Sommes 7 et nous sommes à la recherche d'un maître sur le code rock 1400. Ouais, j'ai pas besoin d'autre homme pour le moment. Allez, on quitte. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, j'allais voir madame. Elle s'est barrée sans doute. Elle s'est barrée. Bon, tant pis. Pourtant, elle m'a dit qu'elle était là. Grande salle d'honneur. Ah, lui, qu'est-ce qu'il est? Je vous connais, je suis le rond petit patapon. Je suis le chef vassal de Guy Vessé. Qu'est-ce que c'est? Oh, je dois prendre congé, ok. En tout cas, sa team, elle est pas mal. Bon, bah, alors, elle est pas là, la meuf? C'est qui, ça? Non, c'est pas elle. Bon, tant pis. Ah, peut-être que elle sait où elle est. On va localiser quelqu'un. Ah merde, je me rappelle même plus de son. Elle? Elle est actuellement à Caer d'Urnac. D'accord. Allez, je dois prendre congé. Hop, on se casse. Allez, on va s'arrêter là. Acheter des provisions. Pff, un peu de laine. Acheter les bestiaux. 37, trop cher. Ici, qu'est-ce que nous avons? Acheter des provisions, que dalle. Acheter des bestiaux, trop cher. Hop. Allez, tant pis, on en prend deux. De toute façon.
abattre les bêtes, les deux. Bon, faut se manier, aller retrouver notre major. Il est. Alors, place du marché, marchand de biens, on lui vend ça, 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 ça. La viande aussi, la laine, les peaux, la viande, la viande. Et ça. Bon, allez, et puis on lui fait cadeau, hein, notre ami. Marchand de chevaux, cheval de trait, cheval nordique borné. J'achète. Demi-tour, un petit tour à l'auberge. Des archers, Altémar, marchand d'esclaves. Somme 3, allez, je vous recrute. Toujours un faible pour les archers, moi. Grande salle d'honneur. Vous allez me dire, vous, c'est qui est le major machin? Alors, il va. Je vous connais, mon nom va pour vous servir. Je dois être le prochain roi des Pictes. Ah, ça y est, encore. Mon père était Billy Map Nathan, roi du Péri d'Alclut, et mon frère Eugène serait vraisemblablement son successeur. Vous vous demandez pourquoi un prince breton devrait être roi des Pictes? Ma mère était une princesse Picte, et il est de tradition chez les Pictes que le droit d'être roi passe par la lignée des femmes. Je pense que je ferai un bon roi, mon peuple a besoin de moi. Rejoignez-moi avec votre groupe et ensemble nous franchirons les montagnes de Drudalban. Excusez-moi, je dois partir. Je le ferai plus tard, mais pas pour le moment. Donc tu ne peux pas me dire où c'est qu'il se trouve l'autre. À l'auberge, l'aubergiste. Ah putain, j'y suis déjà allé, je suis con. On quitte. On quitte et on fonce à 6 et à cette heure. Tentez de rendre visite à une dame, tiens. À qui voulez rendre visite? À une. Les gardes vous observent, d'accord, ok. Grande salle d'honneur. Elle va me le dire là-haut. Elle va me le dire où c'est qu'ils sont. Lui et le major. Allez, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat. À vos souhaits, je suis Altelbur. Bonsoir. À vos souhaits, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'aimerais localiser quelqu'un. Notre maréchal, voilà, et il se trouve près de Cantor Warbur en ce moment. Ok, je dois prendre congé, et je me casse. Quitter. Et on file à Cantor Warbur. Tiens, on va s'arrêter ici, voir ce qu'il y a. Est-ce que ça a avancé? Alors, gérer le village, vos manoir moulin. Ouais, ça coûte ça, un monastère chrétien. 4200, c'est un peu cher. Laissez tomber. Une école. Une école accroît votre popularité, donc la loyauté de votre villageois envers vous en vain de 1 par mois. Ah, un peu intéressant. En tant que membre du groupe détenant le niveau le plus élevé, d'accord. Combien j'ai d'argent, moi? Acheter des provisions. Inintéressant. Acheter des bestiaux. Inintéressant. Combien j'ai d'argent, moi? 8000. 8000. Ah, Clovis qui monte. Eh bien, on va te parler, Clovis. Montre-moi tes compétences. On va monter ton intelligence. Allez, on va te monter ça et ça. On continue à avancer. Allez. Hop, c'est quoi ça? Il est là. Allez, ici. C'est bon de vous revoir. Ah, vous voilà enfin, mon petit patapon. Nous attendions. J'espère que vous avez amené les troupes suffisamment nombreuses à expérimenter avec nous.
Avec vous, oui, j'ai une troupe de soldats. Excellent, nous partons bientôt. Maintenant, vous êtes un homme d'un grand discernement, et si nous espérons, que vous ferez ce qui est nécessaire pour soutenir notre campagne. Je ne vous oblige pas à rester à portée de main, et je ne vous en voudrais pas si vous pensez que vos forces seraient mieux employées ailleurs, mais si vous choisissez de rester avec moi pour me soutenir après dans mes batailles, j'apprécierai. J'aurai peut-être aussi des tâches supplémentaires à vous donner. Ok. Donc, le prince. On va accompagner le prince. Eh ben, continuez. Grande salle. Il est là, le prince. Oh putain, il va falloir encore un. Bah oui. Tiens, on pourrait travailler ensemble pour augmenter notre influence. Ouais, bon, d'accord, discutons de notre sujet. Nulle part. Bah oui, forcément, puisque en réalité, je pense que c'est une troupe de. C'est une troupe de soldats, tout simplement, qui reste du comptoir. Il faudrait les coincer, quoi. Enfin bon. Marchand de biens. Ah, mais non, voilà. Oh, puis il y a lui, là, faut que je donne un cheval, bordel. Bon, ici, il n'y a rien à vendre. Retour, demi-tour, quitter. Donc, eh ben, on va rester aux alentours et puis on va bien voir pour. Ah, elle peut monter, lui il peut monter. Pour faire un petit tour autour là, faire un peu de business. On va te monter ta force, ta puissance ici, et voilà, hop. Tac. On continue à avancer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est lui, il a déjà un cheval. Inca, c'est une archère, donc on s'en fout, lui il a pas de bouclier. Allez, on va te parler. Tu peux prendre le cheval, toi? Yes. Hop, t'es où? T'es là, et tu passes cavalerie. Ah! Les pilleurs francs! Allez! Vous surprenez un affrontement entre Cantwarber en patrouille et pilleurs francs. Vous décidez de vous battre avec Cantwarber en patrouille. Hein? On y va. Vous êtes 160 contre 20. On charge l'ennemi. Alors, tout le monde me suivre. Archer, vous me tenez cette position-là. Cavalerie, vous venez me tenir cette position ici. Infanterie ici. Ah, c'est sympa, ça commence à faire du monde, hein, cavalier. Excusez-moi. C'est avec cette pluie, je m'enrhume. C'est assez pénible, cette humidité en Angleterre. Alors, cavalier, vous me suivez. Ah, ils sont là, ils arrivent. Donc, suivez-moi. Infanterie, ordre de formation, resserrez-moi les rangs. Allez, apprêtez-vous à cavalier. Allez, on charge. Allez. «
Allez, infanterie, chargez. Tiens. Oh, j'ai pas mal de cavaliers démontés quand même, hein. Et là, mon infanterie, elle charge pas, là. Je vous ai dit de charger l'infanterie. Victoire, mes amis. On continue. Merci pour votre aide, monsieur. Mais cela n'allait pas très bien pour nous, mais grâce à vous, tout a changé. Des Francs, on les capture, on confirme. Enterrer ou brûler les morts, on récupère un casque, une lance légère. Ah, ça peut être intéressant. Retour. Groupe 1. Alors, qui c'est de mes cavaliers qui n'avait pas de lance? Je ne me souviens plus. C'est lui. Ah merde, on peut pas. Bon. Ah mais non, mais je suis con. C'est pas un héros, lui. C'est pas un compagnon. N'importe quoi. Bon, toi déjà, je vais te monter tes compétences. Agilité. Ok, on continue à avancer. C'est lui qui n'en a pas parlé. Laissez-moi voir votre équipement, mon ami. Voilà, ça c'est un javelot, ça. Voilà. On continue à avancer. Le lancier, il monte. Ok. Toi, Dorfache, chez moi, acheter des provisions, il a rien. Acheter des bestiaux, il a rien non plus. Allez. Ah, ça y est, ça a bougé. Major Royal, c'est lui? Non, c'est lui. D'accord que c'est lui. Ouais, c'est ça. Oh putain. Il y avait des pilleurs francs là-bas. Alors, un grand nombre de champignons, des cèpes, les ramasser, les donner à vos hommes. Voilà, gagnum en moral. C'est pas cool ça. Bon, on repart dans l'autre sens. Oh putain. Allez! Pour le prochain épisode, voilà ce qu'on va se faire. Voilà. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous. On les poursuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, je vous dis à bientôt sur Mondus Bellicus. Ah, tiens, le débarcadère Franck est là. Je vous dis à bientôt sur mondusbellicus.fr. Ciao, ciao.